dans le document 2 les deux droits que les révolutionnaires français de 1789 reconnaissent aux hommes dès leur naissance. Le dispositif Ulysse en fait accueille des jeunes de 16 à 20 ans en situation de handicap. Chez nous, nous accueillons des élèves qui souffrent de troubles cognitifs. Tout ce qui est mémorisation, concentration, troubles du comportement également. C'est un dispositif qui est ouvert sur l'établissement scolaire, surtout le lycée de Paul-Sérusier. Ce sont des élèves qui ont des cours chez nous dans le dispositif Ulysse, parfois dans d'autres classes lorsqu'il y a des inclusions possibles. Je m'appelle Lorraine Tricot, j'ai 17 ans et je suis en CAP. L'année dernière, j'étais en Ulysse Pro ici. Glorine est arrivée chez nous en septembre 2018 et elle a eu des difficultés à travailler son projet professionnel. On a envisagé de l'inclure totalement en CAP opérateur logistique. Elle s'est épanouie et elle s'est vraiment intégrée. Elle est très bien dans le groupe classe. Et elle suit. C'est un très beau parcours. Ouais, on en est ravis, bien sûr.